Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Younes, Omar Gino et Sofiane. J'espère que vous êtes en forme, que tout le monde va bien. On est parti la famille pour une nouvelle vidéo particulière. Comme vous le savez, la saison de foot a bientôt commencé, ou peut-être qu'elle a déjà commencé pour vous. Nous, personnellement, ça va bientôt commencer. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'équiper. Il nous manque quelques trucs pour la rentrée avec Younes et Omar. Omar, toi, tu vas reprendre le futsal ou pas? Omar, il va reprendre le futsal, donc on va voir aussi. Tout ce moi personnellement, si j'aimerais bien trouver un bon short, des chaussettes de foot et un bon maillot pour la rentrée, pour s'entraîner, tout ça, tout ça. On fait deux magasins. On va voir, ouais. On va voir. Décathlon et Sport Direct. On va voir niveau crampons comment on est. Lui, toi, Sofiane, tu vas essayer de prendre des petites affaires pour le Foot City et tout. Ouais, vas-y. Pour voir. J'avoue, c'est la galère quand on était venu. C'est quoi tes objectifs pour la saison? Mes objectifs pour la saison, bah, c'est de réaliser une saison sportive réussite. Moi, c'est de mettre 15 tacles à 500. Je rigole. Que des 15 perrins. Bon, la famille, on se retrouve au magasin, on va voir ce qu'il y a, c'est parti. On va commencer avec Omar, donc la partie futsal. Donc Omar, lui, va faire du futsal. Moi, personnellement, qu'est-ce que je t'aurais conseillé comme bonne chaussure de futsal? Vous avez déjà les nouvelles Puma qui sont sorties. Celles-là doivent être bien parce qu'elles sont grave légères et en mode, ça peut être lourd. T'as vu, ça pour futsal pour être rapide, mais c'est pas les meilleures en vrai. Les meilleures, attendez. Sont... Omar, fais un petit tour avec tes yeux, regarde, tu nous dis ta préférée de toutes. Et Yassine me dit c'est meilleur. Pour moi, les meilleures, c'est celle-là. Ouais, c'est vrai, il a raison. Tu sais pourquoi en futsal, faut jouer en Adidas? Parce qu'au futsal, je sais que c'est pas la bonne semaine, hein, mais au futsal, les Adidas, t'as une technique avec. Incroyable. Wow. Donc, vas-y, Omar, dis-nous ta paire préférée. On va le suivre. Vu que lui. Ma paire préférée, je l'ai repérée. Lui, c'est. Regardez, là, c'est les. C'est celle-là. Lui, c'est plus un mec du futsal, lui. C'est ça la matière. Sérieux, là? Ah oui, la matière futsal, là, c'est là, ça. La matière futsal, Omar. Ouais, c'est vrai, il a raison. C'est ça la matière futsal. C'est quoi tes préférés, Omar? Tes préférés, vraiment. Regardez ce qu'il va dire. Les ont ce que tu avais dit tout à l'heure. Stas. C'est l'équipe Stas, c'est préféré. Bah, il a le droit. Hein. Toute mon enfance. C'est la première fois que j'entends un petit dire ça. Mais il a le droit, oui. L'équipe Stas. On avait dit des chaussettes et d'un short et d'un maillot. Là, on a les chaussettes de foot. Franchement, l'équipe Stas, je suis pas fan en vrai. C'est mieux Adidas, Nike. Premier prix, ouais, c'est mieux Adidas. On va faire un tour, on va voir s'il n'y a pas Adidas, Nike. On a trouvé. Le nouveau maillot du Real Madrid, le rose. T'aimerais. Celui-là, il est pas mal. Hein. Il est magnifique. Regarde, t'as celui de la Juventus aussi, juste là. Celui de l'Espagne. C'est ça. Ouais, c'est des tout nouveaux. C'est quel vous préférez? Moi, mon préféré, c'est celui du Real, le rose. C'est du Real. J'avoue, ça se tape entre les deux. Hein. Celui-là, il est pas mal. Hein. Non, celui du Real, il est plus beau. Donc là, on est dans les marques. Bien, on a plein de marques super stylées. Donc là, on a mon bas préféré. Ça, c'est le training. Mon préféré. Là, en vrai, je crois que je vais le prendre. Pour l'hiver, ça c'est top, ouais, top, je vais top, prendre top, top. Pour l'hiver. Tu peux lâcher des tacles, tu peux casser des gens, c'est super. Ensuite, on a quoi? On a le haut aussi qui va avec. On trouve que le haut il est pas terrible. En vrai, ça c'est. Non, je t'ai trompé. Ça c'est pas vraiment pour jouer au foot, ça c'est pour sortir dehors. Ah ouais. Ça il vous en faut un pour. Ouais, ça par contre, c'est très important. Ça, un carré comme ça là, si vous avez pas, vous êtes obligé d'en avoir pour les entraînements plus vieux, c'est trop important. Regarde les ballons, il n'y a pas trop de choix en vrai. Moi, je partirais plus. Le sport, il est joli. Hein. Il est vraiment joli et au niveau de la qualité, ça m'a l'air pas mal. Vous savez comment on teste un bon ballon, si tu veux l'acheter ou pas? Essaye de faire un tour du monde, si le tour du monde y passe, tu l'achètes. Du coup, tu l'achètes? Il est trop léger. Ça a l'air pas mal, mais ça m'a l'air. Ça se voit, il vole. C'est le nouveau ballon de la Ligue 1. Attends, je vais réessayer peut-être pour confirmer. Allez, c'est acheté. On arrive au protège Shiba. Hey, j'espère que vous achetez plus ces briques là. Maintenant, il y a des nouvelles protège Shiba qui sont sorties. On va vous les montrer juste après. Là, on va changer de magasin. A tout de suite. Les rails pour les crampons. Tu conseilles quoi, toi? Moi, je conseille vraiment celle-là. C'est exactement ce que Sofiane m'a dit. Elles sont polyvalentes pour les attaquants. Ils sont passés à quel attaquant, ça? Mbappé. Moi, j'avais dit Ronaldo. Ronaldo. Celles-là sont vraiment top. En plus, elles font que 60 palos. Pas trop cher, après une. T'as ça sinon, non? Regarde. Ouais, ça, c'est bien. Ça, regardez ça. Ça, c'est pour les mieux. En fait, quand on a regardé, il y a du grip ici un peu. En vrai, si vous aimez pas trop les lacets, ça, c'est sans lacets. C'est vraiment un truc de ouf pour les avoir testés. Est-ce qu'elle est pas mal celle-là pour les lacets? Ouais, celle-là, futsal, elle est incroyable. Elle est magnifique. Donc là, voilà nos trois crampons qu'on vous conseille, celle-là. Celle-là, en plus, c'est pas très cher. Celle-là, c'est 60. Bah, Younes, j'ai trouvé ta paire pour toi. C'est quoi? T'as dit que tu voulais faire une paire 1. Ouais. Bon, oh, bah, tiens. C'est dévissé. Oh là là, les gars, si tu casses un mec avec ça, hey, tu l'envoies à l'hôpital directement. Non, je rigole, je vais pas casser, hein, c'est pour rigoler, mais j'avoue, ceux-là, les copains. 4,30€.
les meilleures protestibias, c'est celle-ci là. Moi je vous conseille vraiment celle-ci. Mercurial Light. Ouais, les Mercurial comme ça. On va les ouvrir. En fait, vous avez des petites chaussettes et vous avez les protestibias. Elles sont vraiment fines et c'est grave bien. Tu vois, toute fine, ça te gêne pas en fait. C'est super stylé. Et ça protège bien, tu vois. Ça, c'est le mec qui c'est moins relou que ça là, les trucs gros comme ça. Moi, je peux pas tirer du tibia. Par contre, faites attention pour pas vous faire avoir. Il y a des tailles. Même sur ça, il y a des tailles. Donc là, c'est une taille M. Prenez en fonction de votre tibia. Par exemple, moi, c'est du L que je prends. Ok. Moi, ce sera du XL. Non, je sais pas.